Salut, salut, bienvenue dans actualité politique du Québec avec Dominique Jaspin pour un autre son de cloche. Merci d'être là, de partager, de commenter, de liker, c'est super, très apprécié, merci pour m'aider, c'est très, très, merci. Et, écoute, euh, GIEC, t'as vu ça, le GIEC, euh, le rapport, l'alarmant, euh, ça fait peur, là, euh, ça, ça va plus vite que prévu, puis euh, on va subir là, des contre-coups du de de changement climatique, là, euh, OK la fin du monde est arrivée, là, c'est sûr. <laughs> On va bien ça tout de suite. Puis là, mon PSPP, il amène ça à, au Salon Bleu, hein, puis il parle de, dans le fond, du rapport de GIEC à Legault, puis il demande des comptes, il demande qu'est-ce qu'il pense qu'il va faire, là, tu sais, avec ça. Fait qu'il va, il va parle du rapport. Puis Écoute, l'échange, là, c'est intéressant, puis je vais, je vais commenter au fur et à mesure. Là, ça. Merci, Madame la Présidente. Hier, les scientifiques du GIEC ont de nouveau sonné l'alarme sur l'urgence d'agir en matière climatique. Les émissions liées seulement aux projets pétroliers existants ou en préparation suffiront pour que le réchauffement planétaire atteigne 2 et donc ce qui entraînera des risques très sérieux d'extinction d'espèces et une perte irréversible de la biodiversité. Il faudrait réduire de 42 nos GES d'ici 2030, alors que le plan du gouvernement prévoit une réduction de 37,5 mais le pire, c'est que dans la réalité, lorsqu'on regarde attentivement ce plan-là, il n'atteindra même pas la moitié du 37,5 C'est très, très peu ambitieux. 2030, Madame la Présidente, c'est dans sept ans. C'est demain. On n'a aucune ça. excuse au Québec de ne pas faire mieux, car nous sommes parmi les meilleurs potentiels en matière d'énergie renouvelable sur la planète. Notre ambition au Parti québécois, elle est claire, c'est d'être un leader sur la scène internationale en matière de changement climatique, un pays vert et indépendant. Le premier ministre semble vouloir se contenter d'être la conscience verte d'un État pétrolier, et je l'invite à avoir plus d'ambition. Est-ce qu'il a entendu l'appel du GIEC et est-ce qu'il va déposer un vrai plan complet avec des mesures à la hauteur du défi auquel nous faisons face pour le bien des prochaines générations? Yeah, c'est tout cute, là, tout ça, c'est super cute, hein? Mais il y a la réalité aussi, la, la grosse sale réalité là, fatigante, là, Qui nous dit que même si on atteindrait 42 45 50 là, même si on, on s'entête tout d'un trou, là. OK? Ben, malheureusement, ça ne changera rien au changement climatique ça terre C'est ça, la grosse affaire, moi, qui, me fait, qui me fatigue. T'sais, les efforts qu'on nous demande. Ils sont, sont, sont énormes. Puis, puis, même en les faisant, euh, on est garanti qu'on va subir quand même les changements climatiques. Parce que c'est pas à cause des 8 millions qu'on est ici qu'on qu a cochonné la Terre. Il y a 8 milliards de personnes sur la planète. On représente, nous autres, 0,01. Même si on mourait. Même sur les minerais, là, où on roulance flambe, là. Toutes les Québécois, là. Toutes des autos, là, on les enterre, là. Les changements climatiques vont apparaître quand même. Ça ne changera rien, là. Ça ne rien. Pour nous autres. Puis de remplacer les énergies fossiles, ce que je voudrais là, demain matin, c'est sûr. Ne serait-ce que pour euh, la qualité de l'air quand je respire. Là. Tu sais, quand tu t'en vas en ville là, ça pue l'exhauste, si tu as des chars électriques, ça pue pas l'exhauste. Tu comprends? Fait que pour la santé publique, en partant, moi, je suis pour ça. C'est sûr, là, on veut tout ça. pas vrai? Mais là, si demain matin, on arrête complètement le gaz, par exemple, il faut le remplacer par une autre énergie, on n'a pas d'électricité. Il manque d'électricité. Où c'est qu'on prend l'électricité? Puis c'est ça que mon logo pragmatique, il, dans le fond, en gros, il va y répondre. Là. Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, euh, j'ai pris connaissance hier, effectivement, du dernier rapport du euh, GIEC. C'est inquiétant. C'était peurant. Ce qu'on dit, c'est que les conséquences sont pires que ce qui avait été prévu dans le rapport ben, précédent. Oui. Puis arrive. Plus rapidement. Ça, 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 ça veut-tu dire qu'ils disent un peu n'importe quoi? Hein? Parce que le temps, là. Tu sais, il y a des millions d'années, là. Il faisait bien plus chaud que la peur qu'il y a du 3% de plus là, du toit, tu sais. Dans ce temps-là, là, écoute, les, les libellules étaient gros comme, <laughs> comme ma table, là. Tu sais. Les insectes étaient super gros, il faisait, il faisait chaud. Dans ce temps-là, euh, la biodiversité, là, les arbres et tout, aujourd'hui, on a 15 de ça. 85 de la biodiversité est morte. Pis nous autres, on, on a ça aujourd'hui on est bien, bien contents. On ne veut pas perdre ça, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce temps-là, où il faisait chaud et qu'il y avait l'effet de serre intense sur la planète, il y avait de la vie en s'il vous plaît à ce moment-là. Il y avait des dinosaures. <laughs> Ça, ça change avec le temps. C'est long, là. C'est sûr, il n'y avait pas, euh, y avait comme nous autres, à brûler des, des milliards de personnes qui ont un auto là, qui brûle le, le, du fossile. C'est sûr que à vitesse grand V, on est en train de changer ça. c'est ça, le gros problème, dans le fond, du changement climatique. Hein. Ce n'est pas le changement climatique, c'est la vitesse à laquelle ça arrive, le changement climatique, qui est plus dramatique pour, pour l'adaptation adapta, de ce qui est vivant. C'est ça qui est épeurant pour moi, dans le fond, quand j'y pense, là. Mais, mais là, quand tu écoutes les scientifiques, c'est ça qui est le problème, les scientifiques, là. surtout des sciences là, qui sont exploratoires, là, disons-le-même, là <laughs> ben, c'est ça, ça change à toutes les semaines. T'sais. Puis là, quand ça change à toutes les semaines, une science, j'appelle plus ça de la science. Il, il dira pas ça, là, c'est sûr. Il, le premier ministre dira rien à faire la il, il, il passerait à travers la planète Terre et tout le monde parlerait de lui, non? Tandis que moi, je peux te dire ça à toi, c'est underground, là. là. <laughs> puis moi, je ne suis pas premier ministre, fait que moi je peux. Je peux arriver devant le monde et dire oh, Oui, je pense ça, t'sais, c'est pas tout. Mais bon, là, il dit Je comprends, là, c'est pire, pire c'est plus pire, là. Maintenant, madame la Présidente, maintenant... on a beau viser euh, d'être un ambitieux PQ dans un pays vert. À un moment donné, il va falloir prendre l'électricité quelque part. Oui. Et je reviens à ce que je disais au Parti libéral, c'est vrai pour Québec solidaire, c'est vrai pour le PQ. Les plans qui ont été déposés par les trois partis d'opposition pour 2030 ne sont pas crédibles, ne sont pas réalisables pas parce qu'ils ne sont pas capables de nous dire où ils prendraient l'électricité. Et en plus, les trois partis, quand on leur parle de construire des barrages, sont pas sûrs. Ils ont hum. peur des groupes de pression, Comme donc toi où vont-ils prendre l'électricité pour réduire de 42 ou de 45 les GS d'ici 2030 Est-ce qu'il peut répondre à cette petite question-là Prenez où l'électricité ouais. Première complémentaire. <rire> <rire> oui, madame la présidente. C'est que si on réduit la question climatique à des barrages électriques puis à l'augmentation de la production d'électricité, on vient de passer à côté du trois quarts de la question, à savoir -à comment allons-nous changer de modèle sur le plan de l'émission de gaz à effet de serre. Le modèle économique doit être transformé et cette partie-là, il y a la Fédération des Chambres de commerce et d'autres intervenants qui sont venus déposer une planification. Il y a des partis politiques ici qui ont proposé une planification de la transformation de notre économie. Premier on ministre. Ne... On ne peut pas se contenter de barrages électriques Il a posé une question. là. Comment qu on fait pour remplacer ça? T'sais, oui, mais là, il faut penser à un nouveau modèle. T'sais, un nouveau modèle, tu vas retourner au vaches, les cochons, là. Au charrette Tu veux retourner à la chasse? Il a mis dans la les chevaleues, là. Tu sais, là, je parlais de ça à mon gars l'autre fois, il me dit, tu sais, les, les, les usines à viande, les usines à poulet, à saumon, à bœuf, à, à porc, tu sais, toute la viande qu'on trouve dans, dans nos épiceries, ce pas des chasseurs qui ont chassé ça dans, dans le matin. Il faut que ça soit produit en grande quantité, ça, là. là. Demain matin, là, on met fin, mettons, à toute cette industrie-là alimentaire, là, pour on dit, OK, ben là, Fais comme euh, nos ancêtres, là. Euh, on va aller chasser un matin. Je sais où, euh, la voisine. Euh, il <laughs> n'y a pas de bête, là, assez pour nourrir 8 milliards de personnes qui se promènent dans la forêt, là. Qu'est-ce que tu fais, là? C'est fini, ce temps-là. C'est fini, final. Pour revenir là, il faudrait éliminer là, 90% de la planète. Puis là, on pourrait recommencer à vivre avec, avec la chasse, peut-être. En, en chassant, en, puis en, en pêchant, en chassant, puis en cueillant par toi-même les petits fruits que tu verrais, là. Ben, 8 milliards, tu n'enverras plus de petits fruits. Tu n'enverras plus non plus de bêtes là, pour la tuer, là, pour les manger. Là. Même la verdure, là, même si tu pousses des arbres, n'est pas suffisant là, pour nourrir 8 milliards de personnes. La terre n'est pas capable de produire naturellement ce qu'il faut pour nous nourrir maintenant. Ça fait longtemps de ça déjà, là. On sait ça. Fait qu on peut, on... Fait quand on parle de changer le modèle, oui, oui. Mais on ne peut pas le transformer complètement. On... Il y a des. Il y a des, il y a des... Il y a des. Comment tu dire, des, priori pas des priorités, mais des, des vitaux qu'on pourrait dire, là, comme euh, les usines, le transport, en, en gros, le chauffage. Tout ça, là, ça demande de l'énergie, que ce soit fossile, que ce soit nucléaire, que ce soit vert, que ce soit ce que tu voudras, ça prend de l'énergie. Oui, on veut l'énergie verte pour tous. Là. On a le Soleil, je ne comprends pas comment ça qu'il n'y a pas un satellite dans l'espace. Qui capte l'énergie du Soleil et qui redistribuerait toute l'énergie et plus que tout ce qu'on aurait besoin pour toute l'humanité, les pauvres, les riches, il n'y aura plus d'enjeux d'électricité, d'énergie sur la planète. T'sais, la journée que ça va arriver, c est, c est, on vient de sauver la planète, là. C'est ça qu'il faudrait qu'il arrive. Là. Mais là, de faire des barrages après 15 ans euh, pour, pour, pour aller chercher l'électricité qui va nous permettre de pouvoir. Quand dis, on parle de décarboniser le Québec, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on continue à, à utiliser des autos, mais avec une énergie comme euh, l'hydrogène le, 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 vert, par exemple. Est le liquide, l'hydrogène en liquide, là. qui est fabriqué avec de l'électricité verte. Là. Puis là, mais ça, là, on n'est pas rendu là. Puis pour passer à ça, là, ça va prendre bien plus que le 7 ans, là. Ça, on ne peut pas y arriver. C'est impossible. Président, Madame la Présidente, on dirait que le chef du troisième groupe d'opposition vient d'inventer l'efficacité énergétique. Il est en train de nous dire hey, savez-vous ce que j'ai appris Il faut changer le modèle. <laughs> Comme s'il n'y avait pas personne ici qui avait pensé à ça, qu'il faut d'abord réduire notre consommation. Mais la réalité, c'est même, que même ça. dans les scénarios les plus optimistes de réduction de notre consommation, il ça. va manquer d'électricité. On prend où l'électricité La présidence, deuxième complémentaire. Ben oui, c'est ben bien. dialogue de sourds. Ce que je constate, c'est que la planification de la transformation, de la sortie de pétrole de notre modèle économique, elle est faible ou inexistante du côté du gouvernement. Et on se gargarise dans notre performance en comparaison avec le Canada, qui est un État pétrolier. J'invite le premier ministre à s'inspirer de l'Union européenne qui, même si elle n'a pas l'hydroélectricité qu'on a, fait bien mieux en ce moment en matière de gaz d'émissions de gaz à effet de serre. <laughs> tu sais, c'est lui-même qui dit, on c'est un discours de saut. Ouais, tu fais bien de le dire parce que c'est toi qui n'entends pas bien. Là. Il t'a demandé comment est-ce qu'on fait pour remplacer, il n'a pas dit ça comme ça, là. il a dit pas remplacer le fossile, là. Parce qu'il faut quand même qu'on continue avec les autos. Là. Fait que, là, on élimine le pétrole. fait, on, fait que Le marche comment avec l'électricité, des, avec des on manque des temps. fait On va chercher où l'électricité. C'est un langage de saut. Il ne répond jamais. Il, jamais il va dire là voici, il va dire les autres font mieux, on ne sait pas correct ce qu'on fait, on est en retard. Il va dire ça, mais il ne répond pas à la question fondamentale. T'sais, on veut tout ça. Là. Si on avait la solution magique, penses-tu que le goût ne l'appliquerait pas tout de suite demain matin? Hein? Il, a, il a mis à la porte, il a, il a dit non à Volkswagen, tu es des milliards en économie parce qu'on n'a pas d'électricité, puis parce qu'il voulait pas qu'il utilise du gaz. Imagine-toi, parce que là, on a dit, ben, c'est ça, pour l'économie, on vient encore une compagnie qui vient rajouter des tonnes quand nous autres, on essaye d'en diminuer. Fait? fait que notre logo, d'ailleurs, il dit, ah, les, vous avez peur des groupes de, de pression, mais toi aussi, avec Volkswagen, tu as eu peur des, 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 hein, des groupes de pression. Mais pour revenir à lui, c'est ça. Il ne répond pas à la question. Fait que là, mon logo. Monsieur le Premier ministre. Bien, encore une fois, le chef du troisième groupe d'opposition ne fait pas la différence entre le Québec, qui est rendu à moins de 9 tonnes de CO2 par habitant, puis le reste ça. du Canada, qui est à 20 tonnes. On parle du Québec, à moins qu'il soit en train de vouloir gérer les autres provinces. Ça me semble <laughs> que ce n'est pas tout à fait l'objectif de son parti. Mais, Madame la Présidente, on a un plan pour une économie verte. Il y avait 7 milliards et demi. 7 milliards et demi. Puis regardez bien, entendez bien, à 4 heures, le budget, à combien on va être rendu? À ah, 9 milliards. Ah, non, pas de bravo! Pas de bravo, peut-être, pas de, pas de enfin, <laughs> hey, des beaux bravos comme ça. ça a pas bon mais as-tu raison, Lego, là-dessus? Hein? Mais quand même, moi, je sais pas, ça repense à Volkswagen, là. Ça n'a pas de bon sens qu'il ait, ah, qu ait laissé partir cette industrie-là pour ne pas arriver devant ces gens-là et ont dire ben là, euh, parce qu'il s'aurait fait poinçonner, là, c'est sûr, là. Parce que là, ils viennent de rajouter des GES. Hey. Fait que là, mon Lego, il se sent tranquillement, là, il se sent menotté, là, tu le vois, là, pour avoir agi comme ça. Fait que ça marche la pression, même sur le Lego. Ben, sur tout le monde, ça marche la pression, de toute façon, là, on le voit bien là une pression internationale, ça, là, là, le, le climat, là, au point qu'on déraisonne site au Québec. Il a dit, tu parles, tu parles de où, là? Tu parles de où? On te parle-tu du Québec? là? 9 tonnes, site versus 20 tonnes. D'ailleurs, c'est ça que j'aurais dit, moi, quand j'aurais fait venir Volkswagen. J'ai dit Ouais, on n'atteindra pas le 20 tonnes comme en Ontario avec eux autres. Il n'y a pas de problème. Puis en plus, en bonus, il arrêté en Ontario euh, mettre les GES de toute façon, euh, puis on, on est sur la même planète. Fait que nous autres, en ayant Volkswagen 7, on peut se le permettre, nous autres, nous autres, ils ont 20 tonnes, il faut qu'ils, qu juste à descendre à 9 tonnes comme nous autres, je ne sais même pas comment ils vont faire, ils ne réussiront jamais ça, les autres, là, là. Fait que nous autres, on peut se permettre, là, de Non? C'est ça que j'aurais dit, moi, être à sa place. Puis en plus, vu que Volkswagen est ici, on, va, on, on il est ici pas, pas juste pour un an, deux ans, trois ans, là. Là, présentement, on manque d'énergie, on va laisser faire avec le gaz, mais euh, aussitôt qu'on euh, on on le sait qu'il a besoin, qu'on va s'organiser pour qu'aussitôt qu'on aide, on puisse le fournir pour éviter qu'il utilise du gaz. Tu sais? Mais non. Mais non. Il y a mieux paraître que être. C'est ça qui est arrivé. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça euh, que mon PSPP, là, euh, il revient avec le GIEC, c'est correct, parce que c'est un rapport que tout le monde parle, puis euh, c'est international, puis euh, c'est normal qu'il en parle, euh, mais qui n'a jamais été capable de répondre à l'ego à la simple question de dire « On remplace, on va chercher où l'électricité qui nous manque. » Dis-moi ça. Incapable de répondre à ça. C'est sûr, c'est sûr qu'il n'est pas parce qu'il ne veut pas répondre, là pas parce qu'il entend pas la question, là, pas parce qu'il n'est pas intelligent, là, mais c'est PSPP, ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce qu'il sait, il sait très bien qu'on n'est pas capable, on n'est pas capable d'arriver à remplacer les énergies fossiles par de l'électricité verte. On ne l'a pas. C'est soit qu'on qu qu arrête l'énergie fossile complètement, totalement, les anxieux climato ils diraient oh oui c'est ça qu'il faut faire puis on va faire ça mais ben oui on va retourner on... puis qu'est-ce qui va arriver on va souffrir qu'à quel point on va souffrir c'est pas pas la solution non plus là je pense que la technologie vraiment pourrait nous aider là dans ce problème là climato là tu sais la technologie la vraie technologie là qu'est-ce qui pourrait comme je te dis là un genre de panneau solaire qu'on ne met pas sur la Terre, mais qu'on pourrait mettre là, sur la Lune, ou je ne sais pas, dans l'espace. On a envoyé un robule, oui avec des miroirs parfaitement settés. il ne pas me dire qu'on peut mettre un, un gros panneau. Et... <laughs> je sais pas, moi. Ça doit être moins compliqué, j'imagine. Il suffit juste que, que le panneau puisse avoir capté suffisamment d'énergie pour toute la planète. Là, ça ça, ça il faudrait inventer, là, créer. Tu ça serait bien de fun. qu'est-ce que qu t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Euh, ben, premièrement, là, de ce, tout, tout, tout ce, ce problème-là climato, euh, c'est sûr que c'est inquiétant, on le voit. Ça existe. Je, 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 je suis convaincu. Je peux pas croire qu'on ait 8 milliards à péter, puis à conduire un auto, puis à, à cracher des usines, de, du, puis que ça n'a absolument absolument aucun effet sur notre planète. Là, ça. Je ne crée pas ça non plus. Là. <laughs> Pas du tout. Là. Mais est-ce qu'on pourrait, on pourrait survivre? Est-ce qu'on pourrait s'adapter à un changement là, qui, que la Terre va subir? Je pense que oui, aussi. T'sais, je pense qu'on pourrait s'adapter. Je pense qu'on pourrait, pense qu pourrait euh, investir pour s'adapter, adapter nos infrastructures. Parce que physiquement, moi, toi, on, on, va, on, va, on va survivre. Ce qui va nous faire le plus mal, c'est quand le, les changements climatiques pourraient détruire, par exemple. Nos barrages, détruire euh, euh, nos, nos lignes de haute tension, euh, inonder euh, une ville entière, des là là. ça fait la même. C'est ça qu'il faut se protéger. Ce n'est pas physiquement qu'il faut se protéger, c'est notre, notre territoire qu'il faut protéger. Hein? C'est plus ça qu'il faut faire. Fait que je vais aller te lire. Hein? Donne-moi un commentaire, euh, partage-moi ça, commente-moi ça si tu es capable de me faire un don. Ça serait très apprécié dans la description de cette vidéo-là. Tous les liens sont là pour m'aider, si tu peux. Hein? C'est Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmine pour un autre sur le cloche. À bientôt, j'espère. Bye.